Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie en Early Access d'Hololive sur Steam. Donc le jeu n'est disponible que sur PC et il est maintenant en français. Alors, on va commencer la partie. Je joue à la manette. J'ai fait une petite boulette juste avant la sortie, ce qui fait que je pense qu'on va être obligé de zapper le passage où on crée son personnage et jouer avec un personnage que j'ai déjà créé par erreur. C'est pas grave. On y go. Et on va découvrir ce qui nous arrive quand on s'endort dans le train. Nous voilà dans le petit village. Il fait nuit. Alors on va monter, essayer de trouver de la civilisation. Je regarde si je vois des choses qui ont changé par rapport... Non, ça a l'air tout pareil que le début de la bêta. Allez. J'avais du mal à ouvrir ma porte. On dirait qu'il pleut encore. Oui. Assieds-toi, repose-toi un peu. Assieds-toi. S'asseoir. Alors, les boutons n'ont pas l'air de correspondre aux miens, c'est pas grave. Alors... Je pense qu'il y a encore des petits soucis de connexion parce que je joue juste avant la sortie de l'heure officielle qui seront réglés bien évidemment. Donc qu'est-ce que je veux boire? Je veux boire un thé, tiens. Ça arrive. Tu as l'air d'avoir pris la pluie, hein. Tu n'es pas du coin, pas vrai? Pas vraiment. Bah, on a beaucoup de visiteurs ces temps-ci, c'est très calme. On n'a pas beaucoup de visiteurs ces temps-ci, c'est très calme. Tiens. C'était animé ici avant, mais les gens se sont mis à partir. Il voulait gagner de l'argent en ville, je crois. On a passé de bons moments, pas vrai? Oui, c'est sûr. D'où viens-tu? De la ville. Comment as-tu atterri ici? Je dormais. Dans le train? Ah ah. Bah ça alors. Le prochain ne devrait pas repasser avant un bon bout de temps. Ouais, il n'y en a plus beaucoup. À vrai dire, je ne sais même plus quand j'ai vu quelqu'un à la gare pour la dernière fois. Et encore moins un train. Exact, exact. J'imagine que tu n'as pas l'endroit pour dormir, non. C'est bien embêtant. Tu as toujours la chambre que tu gardais pour les visiteurs, Oma? Maintenant que tu en parles, plus personne ne vient visiter notre village endormi. Pourquoi ne la prêterais-tu pas? C'est quoi ton petit nom? Ah ah! Je me trompe de souris, ça va pas le faire. Voilà, voilà. Zabou. Oma, pourquoi tu ne prêterais pas cette chambre à Zabou quelque temps? J'ai du mal avec ce mot. Ou au moins pour cette nuit. Il risque d'y avoir de la poussière. Une petite seconde. Tu as l'air d'avoir un peu plus chaud. Je suis Moss, au fait. Je tiens la petite boutique de l'autre côté de la rue. Ce n'est pas bien grand, mais les villageois ont besoin d'un endroit où acheter leur lait, leur sucre, non? Alors? J'ai mis le chauffage, il y faisait un peu froid. Tu peux y passer la nuit. Ce n'est pas comme si on avait beaucoup de visiteurs. Ça devrait être faisable quelques nuits, non, Oma? On verra. Ah. Il y a un futon là-haut. Je t'ai aussi trouvé une serviette, au cas où tu voudrais te sécher. Merci. Vas-y quand tu veux, je vais bientôt fermer. Écoutez, on va pas se faire prier, on va y aller tout de suite. Ah, c'est bon, les boutons avaient l'air d'avoir bugué, d'avoir pas pris ma manette en compte. Maintenant, c'est tout bon. Alors, je vous rappelle qu'on est sur un accès anticipé, hein, donc qui dit accès anticipé, il peut y avoir encore des bugs. Et on n'a pas forcément accès à l'entièreté du jeu au début. Hein. Alors, ça c'est notre chambre, on l'avait vu. En même temps, les choux, ma bonne femme, comme ça. C'est l'endroit pour dormir, ça on n'a pas d'interaction, donc on va dormir. Et on passe donc au lendemain. Je suis toute contente de pouvoir y retourner. Je me demande ce qu'on va voir comme villageois cette fois.
Le vent a soufflé si fort la nuit dernière qu'un arbre est tombé. Moi, c'est sur la place pour trouver une solution. Tu peux peut-être l'aider ? Bien sûr. Oh, à propos de la chambre. Personne ne l'utilise, alors tu peux rester le temps que tu veux. J'ai déverrouillé la porte pour que tu puisses y faire une sieste ou te reposer si tu en as besoin. Merci. De rien. Mais ne mets pas le bazar, d'accord ? Allez, file. Oui, on file, on court. On va redécouvrir ce village. Oh, j'adore, c'est tellement joli. Ah, bonjour Zabou, tu as bien dormi. Ce truc est tombé pendant la tempête la nuit dernière et il bloque le passage. On a tenté de le traîner, mais il ne bouge pas. Il va falloir le découper, mais je n'ai plus de force. Tu pourrais peut-être prendre cette hache et t'en charger. Parfait, tiens. Tu peux y aller... Ok. Est-ce que j'ai la hache ? Je sais. Ah, regardez ! On a des mimiques ! Oui ! Ok. Bon, par contre... Hop, voilà. Allez, tape! Tape! Je suppose que les cheveux, les fringues, tout ça, on pourra les changer après, donc ça, c'est pas bien grave, hein. J'avais trop envie de vous le faire tout de suite. Parlez à Moss. Voilà qui est fait! Ah ah! Les villageois vont être contents. Si tu veux, reste un peu pour les saluer et te présenter. Le village est tellement calme qu'ils seront ravis de voir une nouvelle tête. Moi, je ferai de mon mieux. Je ferai mieux de retourner à ma boutique, la hache. Ah oui! Eh bien, garde-la pour l'instant, elle devrait être utile. Allez, il faut que j'y aille. Passe à la boutique plus tard si tu cherches quelque chose à faire. J'ai quelques tâches à te confier. D'accord. Eh ben, on va vraiment aller visiter hein, cette fois. Ça y est. On est dans Hokolife. Oh, c'est complètement différent. Regardez, là, il y a une montagne. Il n'y avait pas. Là, il y a un papillon, mais j'ai pas ce qu'il faut pour le ramasser. Il y en a un deuxième. Alors, on a une maison ici, deux maisons ici, ça c'est des habitants, je suppose. On va regarder... Oh, regardez, Owen, comme il est chou! Mais il y a un petit éléphant, le beau. On va juste faire un tour. Par contre, comment je vais? Oh, il y a un pont de pierre. Oh, génial. Ah, c'est pour aller à la plage. Oh là là. Oh mon Dieu. Alors, pour faire la bêta, c'était génial. Mais alors là, me retrouver dans le jeu, ça allait tellement plus encore. Oh, c'est tellement chouette. Alors, je sais pas si toutes les îles sont forcément faites... Les îles, j'y arriverai pas. Les villes sont toutes faites pareilles. Et là, c'est l'atelier. Verrouillé, ok. Donc, pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Bon, on va aller voir les deux villageois, puis on va retourner tranquillou... au magasin, puisqu'il a des missions à nous donner. Alors aujourd'hui, c'est découvert tout tranquille. On se promène, pépère. Oh, regardez comme c'est classieux chez lui. Oh, génial. Oh, une nouvelle tête au village. C'est chouette. Je suis Owen. C'est toi? Quoi de neuf? Je me relaxe en attendant de retrouver des amis. Je suis coincée, la honte. Oh non. On va dormir 2 heures. Peut-être que ça, j'arriverai à me relever parce que... On peut dormir chez les gens, apparemment. Voilà. On voit qu'on peut faire ça, sinon c'était déjà rip, la pauvre partie de Zabou. Oh, c'est beau aussi chez lui. C'est plus rustique, ouais, qu'on ait un mur bibliothèque. Salut, tu viens d'arriver au village. C'est une joie de faire ta connaissance. Je m'appelle May. On pourrait sympathiser. C'est beau. Oh, ça y est, l'aventure Hokolife est partie. Je crois que je vais me perdre. Je vous préviens tout de suite. Ok, j'ai ma hache toujours d'équipée. Ramasser quoi? Ah, de l'herbe. Allez, on retourne au centre-ville. On va essayer de voir ce qu'il aurait comme mission éventuellement à nous faire. Est-ce que le magasin a été modifié? A priori, non. Oh, on a des toilettes aujourd'hui en objet. Bon, on ne peut rien acheter, on n'a pas de sous. Bonjour. Bienvenue. Ah, Zabou. Comment ça s'est passé? Tout le monde devait être content de te rencontrer. Tu sais quoi, j'ai réfléchi, voir une nouvelle tête m'a rappelé combien notre ancienne vie me manquait.
Il n'y a pas longtemps qu'il y avait plus... Quand il y avait plus d'habitants, le village était très animé. On formait une super petite communauté de gens toujours prêts à s'entraider. Mais à vrai dire, on ne fait plus grand-chose pour le rendre accueillant. Pas étonnant que des habitants soient partis. Tu sais quoi? Ça ne sert à rien de se morfondre. Si on embellissait le village, on pourrait attirer de nouveaux visiteurs, comme toi. Même si tu attires ici par accident. Tu comptes rester un peu? Pour me donner un coup de main? C'est parti. J'aime ton enthousiasme. Tu sais, avant, il y avait des bancs à l'extérieur pour que les gens puissent s'asseoir. Ils se sont cassés avec le temps, on ne les a jamais remplacés. Je parie que Sally serait prête à nous aider. Tu ne l'as pas encore rencontrée, j'imagine. Va donc frapper à la porte de l'atelier pour voir si elle est là. Ça marche, super. Merci à vous. Il coûtait cher le filet, hein. Bah ouais. J'ai 11 pièces, il en coûte 348. Alors j'espère que vous serez au rendez-vous de ce let's play, parce que je pense que ça peut être génial à suivre et à faire surtout. Par contre, ouais, voilà, je voulais essayer de voir si j'arrive à prendre les fleurs, mais non. Allez, on va chez Sally. Donc c'était là, je vous rappelle, pour ceux qui ont regardé la vidéo avant, où on peut customiser les meubles. Ah bah le reste n'est pas disponible, tiens. On a que ça. Bon bah Sally, bonjour. Oh, tu relooks le village? Super. En fait, il manque toujours la première phase de traduction qui bug. Je pense que ça serait corrigé. Je peux t'aider? Ce serait bien qu'il soit un peu plus... un peu moins miteux. Ah, voyons. Bien sûr que je peux faire des bancs. Mais je n'ai plus de bois. Une charpentière sans bois, on aura tout vu. Il paraît que tu as des mosses à couper un arbre. Que dirais-tu de prendre cette hache pour faire des bûches? Il va m'en falloir environ 12, je pense. Je m'en charge. Ça va être génial. Alors, 12. On en a 6. Bon, on va casser des arbres. Est-ce que je peux casser les bûchettes par terre? Ouais. Peut-être commencer à faire ça avant de casser les arbres. Je dois avoir ce qu'il faut déjà en quantité, mais on va en faire plus. Hein. Alors du coup, je me pose la question. Oui, on voit l'heure, le jour, et là, en bas à droite, à gauche, pardon. Oups, je suis mal placée. C'est passionnant. Je suis à fond dedans, moi, déjà. Ah, c'était de mauvaises herbes, ça, j'avais même pas vu, vous voyez. Alors, par contre, comment je récupère mon arme? Pas que mon arme, mon outil. Voilà, comme ça. Avec la croix directionnelle de la manette. Allez, on va la voir. Je pense qu'on a largement ce qu'il faut. J'ai les bûches. Épatant. Allez, au travail. Et voilà. Deux jolis bancs tout neufs. Pas mal, hein, je dois dire. Enfin, ils devraient convenir à Moss. Tu peux les lui livrer, bien sûr. Youpi! Merci, Zabou. Ça, c'est un peu les travaux qu'on avait à faire à l'époque quand on arrivait sur une île Animal Crossing et que Tom Nook nous embauchait pire qu'un esclave pour nous faire le tuto du jeu. Oh Zabou, comment ça se passe, livraison de bancs? Ils sont parfaits. Tu sais quoi? Va donc leur trouver des places idéales dans le centre du village, d'accord? Reviens me voir quand tu auras fini. Mais avec plaisir. Alors je me suis fait avoir, j'en avais mis ici dans la bêta, mais il y a des magasins qui s'installent. Alors on va aller mettre ailleurs, hein? Alors comment je fais pour faire ça encore? Regardez, on peut vraiment les mettre où on veut, hein, et ça c'est cool. Bon, bien sûr, est-ce que je peux les poser là sur les carrés classés? Mais oui, c'est top. Je vais mettre l'autre en face. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Tombé de bouton. Voilà.
On est pile en face, c'est nickel. Peu importe où tu choisis de placer les bancs, tu sais. Tant qu'ils embellissent le centre du village, mais c'est fait. Contente de te revoir, Zabou. J'espère que tu as terminé, que ta journée est bonne. Tu les détectes pas les bancs ou ça se passe comment? Faudrait qu'ils sont pas au bon endroit. Je vais essayer de lui reparler, sinon je pense que bah, faut pas que je les mette là en fait. C'est chelou, hein. Alors les amis, me revoilà dans ma chambre. Parce que j'ai eu un plantage du jeu au moment où j'étais parlé à Amos pour poser les bancs. Donc je ne sais pas s'ils sont plantés ou pas, on verra bien. On va aller voir, je sers à manger tous les midis et tous les soirs, tu croiseras souvent de nouvelles têtes ici. La plupart sont mes amis, n'oublie pas de les saluer. Salut Zabou, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de te voir. Alors on va aller voir si nos bancs sont là. Ils sont bien là, on va retourner chez Moss. Voir s'il veut bien nous parler. Content de te voir, j'espère que ta journée est bonne. Alors, je vais aller récupérer les bancs parce qu'à mon avis, il y a un problème avec l'emplacement où je les ai mis. Je vais les mettre là. Parce qu'il n'a pas l'air de vouloir me les reconnaître. Et ça, c'est quand même un peu embêtant. Oh, notre copain! Viens ici, toi. Je veux te parler. C'est trop cool, May veut participer à mon dernier projet de manifestation pour l'environnement. C'est une super nouvelle. Alors, est-ce que cette fois, il sait que j'ai fait les bancs ou pas? Merveilleux! Le village est beaucoup plus joli comme ça. Oui, donc fallait pas les mettre aussi haut. N'hésite pas à réorganiser les choses comme tu veux. Rien n'a changé depuis des années. Quelques changements ne feraient pas de mal. Merci Zabou. Reviens quand tu auras une minute, j'ai d'autres idées pour améliorer le village. Bah, je reviens tout de suite, je suis pas comme ça, on sort et on re-rentre. D'autant qu'en plus, les chargements sont hyper rapides, donc on s'en fiche. Salut Zabou, tu as discuté avec Oma? Elle voulait te parler de quelque chose. Ah, bah non, je n'ai pas discuté, on va aller la voir. Oh Zabou, Moss dit que tu aides à améliorer le village. C'est une bonne chose, tu aurais bien besoin d'autres visiteurs. J'aimerais avoir plus de clients. Ah ah, on ne sait jamais, certaines personnes pourraient même s'installer ici si c'est assez joli. J'ai une idée. On a une très belle plage, elle est très appréciée des pêcheurs autrefois, à l'été pardon. Mais des tas de déchets d'algues y sont échoués ces derniers mois et personne ne l'a nettoyée. Tu pourrais ramasser toutes les ordures qui s'y trouvent et me les rapporter. Je jetterai le tout à la poubelle, d'accord. Merci Zabou. Eh ben, nous, on va filer à la plage. Alors, du coup, il y a une grosse partie sauvegarde automatique, heureusement, parce que j'ai pas perdu ce que je vous ai fait. Alors, je pense que, bah, effectivement, des bugs, il y en aura de temps en temps. Hein, quand on est sur un accès anticipé, c'est ce qui arrive. Ce n'est pas la version finale des jeux. On est aussi un peu là pour refaire remonter ce qui ne va pas. Hein. Alors, la plage est par ici. Et elle est cracra au possible. Déplacer? Non. Je peux pas ramasser et jeter directement? En fait, faut que je fasse déplacer et que je mette dans mon sac. Ok, c'est un peu bizarre, mais... Alors là, je suppose que sur l'herbe, il n'y a rien. Non, il y a des fleurs. On peut cueillir ça? Je sais plus. Non. Alors là, on a le passage. Vérifier qu'on a bien tout fait.
Là, on a ramassé je ne sais quoi. Ah, des petits poissons. Là, il n'y a plus rien sur le ponton. On a fait ici, il n'y en a pas sur les côtés. Normalement, on devrait être tout bon, je pense. Et bien, on va aller voir Oma. J'espère qu'on aura vu rapidement le droit de revendre des objets, parce que c'est forcément avec ça qu'on se fait de l'argent. Puis il y a plein de papillons à capturer, j'ai pas de filet, c'est l'enfer. Juste l'enfer. Direct, c'est bon. Merci Zabou. Je vais réfléchir à d'autres tâches à te confier. Ok, bon, retourne voir Moss. Qui je pense va nous envoyer, si je me de mémoire, à l'atelier. Content de te revoir. J'espère que ta journée est bonne. Content de te revoir, j'espère que ta journée est bonne. Ok! Mon skate avait quelques soucis l'autre jour, ben il y a sûrement besoin d'un bon nettoyage. On se refait Oma vite fait. Et sinon, on va aller voir à l'atelier si elle n'a pas quelque chose à nous dire. Oh, Zabou. Salut, te cherchais. Je te conseille d'aller à l'atelier. Ben voilà, donc c'est bon. C'est là où on devait aller. Ah, Panko, oui. Oh, bonjour Zabou, tu tombes à pic. Tu pourrais me filer un coup de main, bien sûr. Super. Désolée de t'embêter à nouveau, mais peux-tu m'apporter d'autres bûches? Je suis en pleine création et je préfère ne pas m'interrompre. J'aurais besoin de 15 bûches, d'accord? Fantastique. Bon, où est-ce que j'en étais? Combien on en a de bûches? 12. Bon, ça va, on n'a pas beaucoup à les faire. Hop. On sort la hache et c'est parti. Il faut se coller un peu plus. Il y a plein de papillons. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'espèces par rapport à la bêta et ça, c'est trop classe. Oh, j'ai vraiment hâte d'être en plein au cœur du jeu avec plein de choses à faire. En plus, on l'a vu, hein, on peut décorer les extérieurs et tout, c'est fantastique. Modifier aussi les maisons, enfin voilà. Puis avoir notre propre maison, hein, c'est quand même ce que j'attends le plus. Allez, on va la voir. Sally, haha, parfait. Oh, tu veux essayer de fabriquer des choses? J'allais transformer ces bûches en planches, mais j'étais en plein travail. Tu peux bricoler sur le plan de travail devant le poêle, là-bas. Il me faut encore 5 planches, je crois. Hein? 5 planches, ah oui, qu'est-ce que je fais? Fabriquer. Alors, on a les planches. Voilà, on a fait notre premier craft. On peut lui ramener... Sally! Non mais ne sois pas coincé à l'intérieur, hein. J'ai pas envie de me recoincer non plus, moi. Attendez, je vais sortir et rentrer. Elle devrait avoir bougé. Oui. Hop! Oh, bravo! Tu as fait un super travail. Tu as déjà fait ça, non? Ah ah ah! Elles sont parfaites, merci Zabou. J'aurais peut-être encore besoin de toi plus tard. Repasse à l'occasion. Ok. Alors le début, c'est beaucoup de petites quêtes comme ça, ce qui est normal puisque ça nous pose les bases du jeu. Hein. On va retourner à la plage, voir si on n'a pas un copain qui serait arrivé. Je vais juste me refaire encore les petites bûches qui traînent par terre, là. On va avoir toujours du bois sur nous. Hein. J'espère qu'on pourra quand même modifier son personnage plus tard. Parce que c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas comme ça que j'aurais voulu la faire. Tant pis. Ça
C'est comme je n'ai pas trouvé comment supprimer la sauvegarde Steam, et ben j'ai pas trop le choix que de jouer avec. Il n'y a personne. Je voulais voir si on trouvait la personne qui pouvait éventuellement nous donner la canne à pêche. Mais il n'est pas là. Non. Bon, on va retourner du coup voir Moss ou Oma, je sais pas, on verra bien quand on y arrive. Allez, cours, Quetch. Oui, toi aussi, t'es une Quetch. J'ai rangé ma hache, hein, parce qu'il veut pas faire croire au village qu'on a envie de tuer tout le monde, quand même. Dans l'idée, ce serait pas top. Regardez-moi les papillons qu'il y a partout, en plus, ils sont super beaux. Bon, on va voir qui? Oma ou... Salut! Je peux faire quoi? Tu pêches ces temps-ci? C'est une bonne façon de passer le temps? Bah, j'ai pas de canne à pêche! Ahem! Tu pêches ces temps-ci? Bah, méchante! Bah, j'ai pas de canne à pêche! Salut, toi! Alors, content de te revoir, Zabou. J'espère que ta journée est bonne. Puis personne ne veut me donner quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord que pour l'instant, je peux rien y faire? Là, je peux planter des fleurs. Là, je peux planter des arbres. Le sac à dos, c'est pour agrandir mon inventaire. Content de te revoir, Zabou. J'espère que ta journée est bonne. Ben oui, mais elle sera encore meilleure si on pouvait me dire ce que je dois faire. Quelle heure il est, au fait? On est dans la, on est en plein après-midi, là. Ok. Ma dernière chance, c'est de retourner à l'atelier, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Salut! J'allais justement sortir pour planter des arbres. J'utilise beaucoup de bois pour fabriquer des choses, et si on ne remplace pas les arbres, il ne restera plus rien. Tu veux bien m'aider, bien sûr. Cool. Ah, c'est vrai. J'ai perdu ma pelle. Ce n'est pas drôle de creuser avec les mains. Il te faut une pelle. J'ai des instructions pour en fabriquer une. Tiens. Ces instructions contiennent peut-être des ressources que tu n'as pas. Si tu as besoin de quelque chose, va voir Moss. Oh. Rapporte-moi aussi des graines. Ça va nous être utile. D'accord. Alors. Pour la pelle, il me faut 3 planches de bois et une pierre. Les planches de bois, c'est fait. Pardon. Il y a un endroit où je vois mes quêtes. Parler à Moss de la pelle et des graines. Ok. Alors, on a fait les planches. Il y a de l'air. Je sais plus si on peut arriver à récupérer des rochers sans les taper. J'ai réussi à avoir une pierre lors de la bêta, mais je ne sais plus comment. Et je pense pas que c'est ça en tapant avec la hache. Non. Oh, j'ai eu de l'herbe. Bon. On va aller voir Moss. J'adore comment elle court. Azabou, que veux-tu? Une pelle? Tu manques de ressources, c'est ça? Voyons. Et voilà, ça devrait suffire, je pense. Autre chose, des graines. Oh, tu veux planter des arbres? Bon, voyons. Tiens, une poignée de graines. Salut, a une bonne idée de temps d'en parler, d'en planter d'autres. Ça devrait être bon pour l'image du village, merci. Eh, mais de rien. Donc du coup, nous adorer, je suppose, donner la pierre. Ouais. Et on a 6 graines. Ok, nickel. Eh ben, on va aller planter ça. D'abord, on va aller fabriquer la pelle, surtout, parce que planter sans pelle, c'est un peu bête. Oups. Voilà. On a la pelle. Alors, du coup... Fatigue. Oh.
J'essaie de voir comment passer d'un outil à l'autre. Déjà ça, je suppose que voilà, je peux enlever. Vous savez quoi, je vais aller lui reparler. J'avais un doute s'il fallait que je plante ou si je ramène. Beau travail! C'est une très belle pelle. Allez, va planter. Ok. Oh, super. Que fait une bêtise. Là, c'est pour... J'essaie de trouver comment on change sa barre d'outils, en fait, tout bêtement. Alors, il me faut toujours la pelle. J'en ai planté deux. Voilà. On va prendre les graines. Je crois que j'ai fait un truc de graines en trop, non? Oui, mon autre trou, il est là. Non, bah c'est bon en fait. Ok. C'est tout bon. Salut, quoi de neuf? Arbres plantés. Merveilleux. J'ai hâte qu'ils deviennent de grands arbres costauds. Ça fera du bois pour mes créations. Ah ah ah. Et puis, ce sera joli à regarder. Salut, merci d'avoir planté tous ces jeunes arbres. Tu as parlé à Moss pour voir s'il avait d'autres idées pour améliorer le village? Non, mais j'y cours. Ah bon, au moins, on s'ennuie pas au début. On n'est pas perdu à se demander ce qu'on doit faire. Au moins, on a plein de petites missions. Et c'est cool. Oh, Zabou, j'ai réfléchi à d'autres idées pour embellir le village. J'ai vu une émission de jardinage dans laquelle ils utilisaient des seaux. C'est ça? Des seaux comme jardinière. On pourrait faire la même chose pour mettre un peu de couleur dans le village. Sally pourra sûrement nous fabriquer de jolies petites jardinières. Tu pourrais nous trouver des fleurs, bien sûr. Parfait. Attends, je n'ai vu qu'un type de fleurs par ici. Tiens, prends ces graines. Elles mettront quelques jours à pousser, mais on aura des fleurs différentes. Elles sont très vivaces, il suffit de les planter et elles pousseront toutes seules. Même pas la peine de les arroser. Reviens me voir quand tu auras un bon paquet de fleurs. Et on s'occupera de ces jardinières. Alors du coup, j'ai graines de fleurs rouges, bleues, violettes et jaunes. On va aller faire notre premier petit endroit de plantation. Donc elles vont mettre plusieurs jours. Donc entre temps, il va falloir qu'on se trouve d'autres occupations. Alors j'aimerais trouver un endroit... où, voilà, on peut-être le mettre par là. Alors, on va prendre la pelle, déjà. Alors, je pense qu'on doit avoir un mur déroulant, mais je n'arrive pas à l'enclencher pour l'instant, c'est pas grave. Hein. Je fais tous les trous à l'avance, comme ça. Hop. Petit jardin de fleurs. On en a 4 de chaque, on a dit. Hein. Donc là, je vais laisser une case. Viendra ensuite le temps d'apprendre à faire nos premiers petits meubles. Bon, il y en a, c'est vraiment la galère. Hein. Mais là, en français, je comprendrais déjà un chouïa mieux ce que je fais. Alors. Ah, j'ai mis les rouges. Je vais mettre les violettes à côté. Ouais, j'ai dit, on dirait que le soleil se couche. On est en fin d'après-midi cette fois.
N'empêche qu'on aura passé une sacrée première journée productive. Hein. On va pas compter la veille où on est juste arrivé. Mais là, on a déjà fait pas mal de choses. Voilà. Normalement, j'ai tout planté, si je fais pas de bêtises. Oui, j'ai tout planté. Non, je voulais voir s'il n'y avait pas la possibilité de mettre les outils là en raccourci. Le truc, c'est que je sais pas à quoi sert, en fait, le bas, là-bas. Trier par heure. Trier par type. Ok. On a planté. On va retourner faire un petit tour à la plage avant d'aller se coucher. Ramasser. Je veux faire des papillons. S'il vous plaît. Je pense que le monsieur de la plage, on le verra, mais plus tard. Sûrement demain. Je pense que pour cette première journée, on va retourner voir Sally avant de retourner au village et puis on ira se coucher. Allez, on court, on court, on court, petite dame. On y est. Oh, regardez les beaux papillons. Ils sont sublimes. J'ai gagné des sous, je sais pas comment. Bon. Ah, oh, j'ai oublié d'aller voir Sally. Eh, tête en l'air. Parce que je crois que les fleurs, ce sera elle au final qui à qui faudrait les emmener, les amener. Mais où est passée ma clé anglaise? Ok. Toi bien. J'ai encore assez pour fabriquer des planches. Bonjour Zabou. Comment ça va? Super. Tant mieux. Je me demandais comment ça va financièrement. Bah, j'ai pas un sou. Ah. C'est ce que je me disais. Tu as peut-être des choses dans ton sac à dos dont tu ne veux plus. Je pourrais t'en débarrasser. Contre de l'argent, bien sûr. Je connais quelqu'un. Il rachète tout. S'il y a autre chose dont tu n'as plus besoin, viens me voir et je te rachèterai pour lui. C'est d'accord? Ça me va. Fantastique. Tu veux acheter des choses pour ta... Tu veux sûrement acheter des choses pour ta chambre. Tu sais quoi? Il y avait un agent immobilier qui passait parfois à l'auberge. Elle voulait s'installer à la campagne. Elle en avait marre de la ville. On ne sait jamais, elle pourrait passer si elle entend dire qu'on a amélioré le village. Et on pourrait la convaincre d'installer sa boutique ici. Et puis tu sais quoi? Tu pourrais même avoir ta propre maison. Enfin, ça risque d'être cher. Alors commence à mettre des sous de côté. C'est pas parti! Parfait. Je crois que l'agent immobilier est passé ce soir. Essaie de la guetter, d'accord? Oh, j'oubliais. Si tu vois quelque chose qui te plaît dans ma boutique, n'hésite pas. Je change les articles et les meubles plusieurs fois par semaine. Reviens acheter un coup d'œil quand tu veux. Alors, on va déjà lui vendre des trucs. Achète-moi des choses. On va déjà vendre ça. C'est pas la folie, mais on a récupéré un peu d'argent. Alors on va voir du coup si on trouve ce fameux agent immobilier. Il est peut-être chez Oma. Hein. Ben non. Salut, je peux faire quoi? Tu pêches ces temps-ci? Oui, il n'y a pas de pêche. Alors, elle devrait passer ce soir. On va monter faire un tour dans la chambre, voir si peut-être qu'en redescendant, elle y serait. Il n'y a personne. On va aller voir côté gare, peut-être que... Il n'y a personne côté gare.
Bah, à mon avis, tant que j'ai pas fait les jardinières, ça le fera pas, je pense pas. Je me rappelle pas qu'on l'ait eu aussitôt. Hein. Je veux vendre. J'ai rien à vendre. Il y a des trucs sympas quand même. Hein. Bon, pour l'instant, ça arrive, j'achète des meubles, étant donné que j'ai rien du tout. Hein. Alors, combien ça coûte ça? 200. Et on a dit le filet, 348. Ok. Alors, il est quelle heure? 19h10. On va aller refaire un tour là-bas de l'autre côté. Par contre, ici, c'est bête. Ouais, non, j'arrive pas à aller ouvrir, récupérer les fleurs. Quand je pourrais déjà piocher... Ah, ramasser. Je vais regarder s'il n'y a pas des choses que je n'ai pas ramassées, hein, qui pourraient être revendues, même si je pense que l'idéal, ça serait d'attraper nos premiers poissons pour faire de la vente. Mais je pense que tout ça, je l'aurai pas. On est sur la première réelle journée de jeu. Et à mon avis, c'est pas maintenant que je vais l'avoir. Mais sûrement, là, sur la deuxième journée. On va aller voir s'il n'y a pas de nouveaux coquillages qui auraient pop. Et s'il n'y a toujours personne qui traîne au village, eh ben, il sera le temps d'aller se coucher. Non, là, il n'y a plus personne. Il n'y a jamais eu personne pour l'instant, mais... On va y retourner au centre, on verra bien. On est 19h30, là, le soir doit être tombé quand même. Elles sont chouettes, les maisons, je trouve, des villageois, moi. Je les aime beaucoup. Lire. Village. Ok. Elle est pas là. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller juste tester. Mais je pense que c'est pas possible qu'elle soit là. On va dormir 2 heures. Là, on s'assure que c'est le soir puisqu'il fera nuit. Et on n'a personne en bas. On va aller parler à Oma. Tu pêches? Oui, bon, elle veut toujours que je pêche, mais j'ai pas d'accessoires. Là, c'est bien la nuit. On a notre villageois qui est ici. La boutique est fermée. Ah non, je peux y rentrer encore. Non, il n'y a rien. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce premier Let's Play découverte. Moi, je vais aller me coucher. Et on va refaire, je pense, la suite de l'aventure. Maintenant que le jeu est en français, il y a plein de choses à découvrir. C'est quand même vraiment très très intéressant. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, de petits pouces bleus. À vous abonner à la chaîne, notre deuxième chaîne et notre chaîne Twitch. Et moi, je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.